TV5 Monde, il existe une direction qui est la direction de la francophonie, des relations institutionnelles et de la promotion du français. Le rôle de ces directions est d'initier des projets, en fait, des projets pédagogiques, et de suivre ensuite au quotidien l'évolution de ces projets. C'est-à-dire que nous, par exemple, repérons une émission nouvelle qui passe à l'antenne et nous commandons une fiche pédagogique ou des exercices en ligne à une équipe qui nous semble au fait pour étudier ce document-ci. Par ailleurs, un réseau de formateurs labellisés et de formatrices d'ailleurs surtout a été mis en place. Nous leur proposons en fait de suivre un stage de 15 jours, donc assez long, pour qu'ils apprennent vraiment à bien connaître le site de TV5 Monde, les émissions, la démarche pédagogique. Et ensuite, lorsqu'ils sont de retour dans leur propre pays, les postes du réseau culturel font appel à leur service pour animer une formation plus ou moins longue auprès d'un public qui enseigne dans des alliances françaises ou des instituts, ou auprès d'enseignants du réseau éducatif local. Ce réseau de formateurs labellisés est important aussi pour TV5 Monde, c'est-à-dire que nous avons des porte-paroles sur tous les continents.